Ok, Cabo, le Dashin, le stun, c'est parfaitement très bien joué. L'ulti derrière, l'ulti d'agressivo, le Q sur le creep, c'est magnifique, magnifique. Voilà, faut jouer le split, Cabo, il est intenable en 1v1. Ok, Antira qui va se faire go in. C'est bien ça, ça c'est un bon setup. Le kick de 113, c'est allé très très vite. Est-ce qu'on peut finir? Crowdshot, on peut finir. Allez, le premier reset. Allez, 113 qui go in. Mais comment il a fait? Il est allé trop trop vite avec son Lee Sin. L'arrivée de Cabochard. On va pouvoir reculer pour les BDS Academy. Mais on a eu le shutdown. Allez, Saken, la bulle qui va toucher. On va re-go in. Shio qui est très très low. Il a tapé Cabochard, mais il était obligé de dash in. Il était obligé de dash in. Il a tapé ça, cancel le slip. Mais 113, attention, le stun de la Syndra, Cabochard! Cabochard qui va re-go in! Il va récupérer ce kill! On va prendre la T2! Incroyable! Cabo, il peut trouver un stun peut-être! Il va stun! Mais attention, il y a du monde derrière! Il va re-go in, là il est un peu condamné, ok, flash out, c'est bien, très bien joué! Oh là là, Cabo! Cabochard! Ok, la bulle qui va toucher sur R2T, mais il y a eu un hook. Cabochard qui va ulti. R2T qui a pris très très cher. 113 encore. 113, mais Crowdshot qui arrive à se replacer. Transforme l'ulti d'Antera qui est très très bon. Xico qui va tomber. Attention, Agressivo qui va go in. C'est mon Reckless qui a réussi à se replacer. Non, il va tomber. Il reste Chio. Cabo. Il y a l'arrivée de Saken. Le Zonia, ok, attention. Saken, le Zonia encore. Eh oui, ça passe. Le système. Cabochard. Oh, c'est trop, oh la masterclass. Oh là là. Oh la maîtrise. Et olé.